Non. Conduit.
Il est dans les conduits. Il va devoir sortir. Prévenez Rykov. Vous disiez qu'il ne serait pas là à temps. Impossible. Sonnez l'alarme et envoyez toutes les équipes de sécurité disponibles au pas de gymnastique. On peut au moins gagner un peu de temps pour permettre au personnel civil de regagner les abris. À vos ordres. Lancez le signal de détresse et prévenez la porte principale. Les modules pourront peut-être tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Je reroute les données transmises par le réseau de sécurité sur les moniteurs maintenant. Arrêtez la transmission. Arrêtez la transmission. Je refuse qu'ils triomphent. Je ne veux pas leur donner ce plaisir. Dépêcher. Je fais aussi vite que je peux, Dimitri. Si ça ne te plaisait pas de sortir, pourquoi t'es-tu porté volontaire? Ça aurait été dangereux pour toi de venir seule. Et je suis censée être plus en sécurité avec toi? Dunia sait que tu es dehors? Concentre-toi sur ton travail. Oh oh, double redondance. Nous avons deux lignes de protection entre le point zéro et nous. Sauf à supposer une rupture informatique totale, nous sommes autant en sécurité ici qu'à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous sommes en sécurité à l'intérieur? Et voilà, c'est bon pour 1000 ans de plus. Qu'est-ce que t'as fait? Ce n'était pas moi. Nous devrions rentrer. Nous sommes à proximité de l'abri extérieur numéro 1. Je suggère de nous y rendre immédiatement. Je ne descends pas sous terre. Attention. Contamination xénomorphe confirmée. Sauf contre ordre, chacun reste sur son lieu de travail, toutes portes fermées. Les chefs de pont ont été dotés d'un fusil laser. Rendez compte immédiatement en cas de problème. Thank you.
pour la petite. On y va! Sauveur est passé en stade. À tous les marines, rendez-vous au commandant McCain pour les consignes. Est passé en stade jaune. À tous les marines, présentez-vous au commandant McCain pour les consignes. Attention, à tout le personnel, le module 2 a été placé en état d'alerte. Présence d'un agent xénomorphe confirmée. PC, ici le Dr Heisenberg. Où en sommes-nous avec la contamination? Nous poursuivons toujours une créature, mais nous pensons qu'elle est isolée dans le circuit de maintenance. Vous pensez qu'elle est isolée? Dois-je envoyer la sécurité? Le général Rickhoff a une équipe disponible pas très loin. Non, bien sûr que non. Vous voyez quelque chose? Survivant. Mon Dieu. Hey, qu'est-ce qui a pu faire une chose pareille?
Logan, qu'est-ce qui se passe? Vous avez localisé l'équipe? Qu'il en reste? Un survivant. Drake et les autres ont été dévorés. Je n'avais pas le choix. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as? Viens voir. Viens voir, Troyard. Les équipes sont-elles en position? Les marines sont-ils prêts à agir? Oui, les équipes sont prêtes. Et vous? Nous avons du travail. Des deux équipes. Des marines s'est arrivé au module. Bien qu'ils aient coupé notre ligne de défense par inadvertance, nous sommes plus en sûreté maintenant. Nos 6 semaines d'isolation arrivent à leur terme. Les marines ont rétabli notre ligne terrestre vers le complexe principal et aussi vers leur vaisseau et le monde extérieur. Maintenant, les mauvaises nouvelles. Comme vous le savez, une de nos équipes archéologiques est coincée à proximité de la ruche. Pour les exfiltrer, le docteur doit neutraliser la ruche. Il doit capturer et diriger l'impératrice. Oui, je comprends votre souci, mais nous avons étudié cette éventualité. Suivant. Comme vous le savez, la plus grande partie de la ruche s'étend au-dessus de la chambre de l'impératrice. Nos gens sont coincés de l'autre côté. Suivant. L'opération débutera par un assaut de surface contre la ruche pour faire diversion. Aucun humain ne sera impliqué dans cette diversion. Nous nous reposerons sur les combattants synthétiques. Oui, ce n'est qu'une ruse. Lorsque la ruche contre-attaquera, deux choses. D'abord, une équipe de Marines pénétrera dans la ruche pour porter secours à nos camarades. En second lieu, une équipe d'exfiltration traversera le réseau de tunnels jusqu'ici, à la base de la ruche. Nos sondes ont établi une carte complète de la zone. En creusant un tunnel ici, nous percerons le puits central qui va directement à la chambre de l'impératrice. Ce puits nous servira à l'extraire. Nous pensons que la ruche va se montrer agressive envers les attaques des humains, surtout si elles sont dirigées contre l'impératrice. En détruisant les tunnels de la ruche, les synthétiques couperont l'impératrice de son soutien, ce qui permettra une fuite rapide vers les tunnels du dessous. Pendant ce temps, les Marines exfiltreront nos camarades en toute sécurité. Des questions? À partir de ce que vous décrivez, on dirait que nos défenses sont très faibles après l'attaque. Que se passera-t-il si la ruche décide de contre-attaquer? La théorie des relations par phéromones mise en évidence par le docteur Heisenberg est claire à ce sujet. La ruche répond aux ordres de l'impératrice et l'impératrice obéit à son instinct de survie. Si nous tenons l'impératrice en otage, nous serons à l'abri de la ruche. Protégée pendant l'extraction ou sur le long terme, vous
voulait dire que nous aurions accès à toute la ruche et à la technologie des artefacts? Nous pensons avoir une politique d'assurance à long terme. Pour ceux d'entre vous dont les projets ont été contrariés à cause du manque d'informations archéologiques ou biologiques, tout ceci présente un intérêt inégalé. La théorie de Shin sur les discours compétitifs indique clairement que la ruche aura une réaction violente à la disparition de l'impératrice. Au minimum, les jeunes reines vont se battre pour prendre le pouvoir. Plus probablement, la ruche va nous attaquer. C'est toi, Mencus ? Bien. Comme vous pouvez le voir, le docteur Shin n'est pas ici pour discuter avec nous de cette théorie. Une indication assez sûre de son intérêt. Où est-il, au fait ? Bien. Pour poursuivre, nous devons nous attendre à quelques difficultés dans la conduite d'un tel projet. Aussi, je demande à tous ceux qui ont des connaissances médicales d'apporter leur concours. D'autres questions ? La recherche sur les drones ne me pose pas de problème, mais ici nous franchissons une barrière éthique. Ces choses sont intelligentes. Venez ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Seigneur ! Oh mon Dieu ! Ah ! Enfermez ces échantillons et tirons-nous ! Oh mon Dieu ! Non ! Non ! Seigneur ! Non ! Seigneur. Non, non. Thank you.
J'ai besoin de l'autre. Attention, défaillance sur la ruche artificielle. Non. Non, non, non. Système de sécurité électrique anti-fuite dans le module 2. Évacuation immédiate. Docteur, les spécimens s'échappent. Tant pis. Ils se sont échappés. Exact. Notre prison était trop fragile. Il faut en construire une autre. Soldat, il faut tirer ça au clair. Vous êtes certain que c'est sécurisé? Elle sait ce que sauver sa peau veut dire. Groupe 4, compte rendu. Oh, mon confort de résistance, docteur. Mais nous sommes prêts à sceller la zone. Ça ne devrait pas être nécessaire. Le lance-flamme. Oui, monsieur. Groupe 4. Faites un compte rendu. Docteur, il se passe quelque chose de bizarre. Le xénomorphe recule. Vous voyez bien, elle sauve sa peau. Il faudrait peut-être replier les drones maintenant. Il y a quelque chose qui cloche. Chef, il faut sortir d'ici maintenant. Tu es là.
Passez-moi l'équipe de sécurité Zebra. Zebra, est-ce que les navettes du Verloc sont arrivées? Oui, monsieur. Le plan a changé. Nous n'emmenons plus l'impératrice au module. Nous l'emmenons directement sur le Verloc. Préparez la navette pour le décollage. C'est fait, monsieur. Excellent. Préparez vos chargements. Je vous amène un passager. De mouvement et risque. Recevoir de la visite. L'équipe d'exfiltration pénètre.
Ils sont en batterie. En place.